Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite carte. Alors pour moi aujourd'hui c'est une petite carte un peu spéciale parce que demain, alors vous verrez la, quand vous verrez la vidéo, ce sera le jour même je pense. Le 14 avril c'est notre anniversaire de mariage, donc 2 ans, voilà. Et donc, je vais faire une carte pour notre anniversaire de mariage. Voilà. Pour donner à mon chouchou. Cette année, on ne peut pas se faire de cadeaux. Donc, je vais faire juste une petite carte. Voilà. Juste pour marquer le petit événement. Et ça sera l'occasion pour moi, pour vous montrer une carte. Voilà. Bon, faites pas attention à ma tête, c'est de pire en pire. Hein. En ce moment, les cheveux, c'est pas ça. Où est ma crosse? Il y a mes mères qui est là. Donc, je vais utiliser une carte comme ceci. Hein. Une 14,5, 10,5, si Fifi veut bien que je vous la montre. Je vais utiliser ce dies que je n'ai encore jamais utilisé. C'est un dies avec des mariés. Celui-ci aussi, je pense. C'est des fleurs. Je vais mettre un sentiment, bien sûr. Joyeux anniversaire. Puis bon, je vais mettre un fond de papier. Puis après je verrai, voilà ce que je vais faire. Bon, comme d'hab, hein, je fais mes cartes à l'arrache, hein, sans préparer. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. Donc là je vais regarder quel fond de carte je vais mettre et elle vient chercher des gratouilles aujourd'hui. Elle a le droit de venir dans l'atelier aujourd'hui. Ben, en ce moment, je n'ose pas trop qu'elle vienne parce qu'il y a tous les diamond painting sur le lit. Donc, j'ai trop peur qu'elle vienne gratter les diamond painting. Mais là, comme papa est en train de laver la maison en bas, oui, j'ai un mari qui fait le ménage. C'est cool, hein. Donc, elle est montée avec moi parce que sinon, elle va se rouler dans l'eau par terre là où ça a été lavé. Et papa, il dispute. C'est normal. Donc, pendant que papa fait le ménage, maman bricole. Voilà. C'est cool. Donc, voilà. Je vais préparer ça et on se retrouve tout de suite. Alors, voilà. Donc, ma petite carte. Hein. Je vais donc mettre un cardstock comme ceci. Donc, en gris. Donc, j'ai déjà coupé à la bonne taille. Hein. Donc, j'ai laissé 2 mm de chaque côté, à peu près. Alors, je vais d'abord découper ici. Alors, je vais faire ma découpe. Alors, je vais prendre mon washi. Alors, me mettre bien au milieu, bien droit. Puisque là, ça ne fait qu'un... Ça fait le dessin dans le papier. Hein. Hop. Ah zut, je bouge. Ça commence bien. Pas avoir la tremblote. Hein. Donc... On va mettre du washi pour pas que ça bouge, parce que là, il faut que ça reste droit. Donc, si vous avez un dies comme ça, puis que vous avez peur que ce soit pas droit, n'hésitez pas à vous aider d'une règle. Hein. Voilà, et donc maintenant je vais le passer à la Big Shot. Bon, maintenant, c'est un détail qui ont beaucoup de détails.
Oui. Normalement, c'est bon. Alors, on va enlever le washi. Délicatement, sans arracher le papier. Voilà, je vais vous mettre sur la feuille pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà le dessin. Je trouve qu'il est très joli, c'est assez fin hein, comme dessin. Alors, une fois que ça c'est fait, voilà mon dice des mariés. Alors je vais faire dans ce papier là on va essayer dans celui là pareil, on va mettre un peu de washi pour pas que ça bouge. Ça, j'ai plus besoin. Et voilà ma découpe. Donc ça, les déchets, je peux les jeter. Ah, ce que je peux faire, c'est en découper plusieurs hein, pour faire de l'épaisseur si je veux. Ah, il reste un petit morceau là. Hop. Voilà. Alors, je vais regarder une chose. Si je fais ça et ça. Alors, est-ce que j'ai encore... Je vais regarder si j'ai encore une feuille d'argent. Je vais voir si... Oups. Donc, on va découper ça.
Et je vous dis, hein, souvent j'ai des idées, mais après. Ça, je le garde. Ça, c'est un tout petit bout, je peux le jeter. Ah, pourquoi j'ai pas été droit, on sait rien, on va corriger après. Et il y a un tout petit décalage, mais bon, donc je vais d'abord mettre du double face là. Voilà. Ah, je vois qu'il y a un petit bout qui dépasse, on va l'enlever. Oui, je sais, je suis gnac-gnac. Mais bon, il faut, hein. Donc voilà, on va remettre un bout ici. Voilà. Donc, on ne va pas tout enlever tout de suite. Celui-là, oui. Voilà. Ah ben, il s'est recollé. Ah, je vous jure, quand ça veut pas, ça veut pas.
Voilà. Bon, là, il y a un petit peu sur le côté, mais c'est rien. On va le recouper un peu. On va le réégaliser. Petit peu en bas, c'est presque rien. Donc voilà. Mais avant de coller ça, on va mettre nos petits mariés. Donc pour mettre nos petits mariés, on va utiliser le stylo colle avec un papier brouillon que j'avais sous la main. Voilà. Alors, on va les mettre bien au milieu. Voilà. Donc là maintenant, ça, on va pouvoir le coller. Donc là, je vais le mettre en 3D. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu peut-être utiliser le papier argenté que sur la partie... du motif, mais bon, ça m'aurait fait une épaisseur, ça aurait pas été vraiment uniforme, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre sur toute la surface, même si on le voyait pas partout. Alors, maintenant, on va mettre sa carte. Voilà.
Et maintenant, le sentiment. Alors, sentiment, ben, je vais mettre celui-là, hein, joyeux anniversaire. J'ai pas anniversaire de mariage, donc... Donc, si je prends celui-là pour faire un fond, non, ça va être trop grand. Donc, je vais juste prendre celui-là. Je ne vais pas le faire en double comme je fais d'habitude. Et que je viendrai poser ici. Alors, je vais regarder si j'ai des... des brades argentées, oui. Bon, ils sont pas brillants, mais c'est rien. Mes brades après. Et là, on va mettre le joyeux anniversaire avec mes stickers peel off. Hein. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai des liens de boutique où vous pouvez en trouver en barre d'infos. Alors, attendez, je suis en train de regarder si vraiment en argent. Voici. Je pense que ça doit aller. Alors, anniversaire. Le mot est plus grand, je vais prendre ma pince. Voilà. Non, maintenant je vais mettre mes brades. On va faire un trou d'abord. Le deuxième. Au même endroit, hein, c'est possible.
Voilà. Donc là, on va mettre du 3D. En même temps, ça va tenir les brades. Et on va le mettre ici en bas. Voilà. Je vois si j'ai des petites perles qui peuvent aller dessus. Des petites perles blanches peut-être. Ah, il y en a encore une là. Voilà. Mais voilà, ma petite carte. Ça brille, hein? Donc voilà, je suis contente. Je crois que mon chouchou va l'aimer. Alors, attendez. Je suis toujours dans vouloir faire le petit détail en plus, mais je vais voir si ça marche. Hop, a sauté celle-là. A sauté je ne sais pas où, tant pis. Donc voilà ma petite carte. Allez, on change de... Je reviens vers vous pour vous la montrer en détail. Donc voilà ma petite carte en détail pour notre anniversaire de mariage. Et ça brille. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Moi je l'aime bien, elle est toute mignonne. J'aime bien d'avoir fait le petit détail des boutons, enfin des cœurs de fleurs avec les petites perles. Voilà, les petits mariés sont jolis, ils se découpent bien, je suis contente. Je vous mettrai également le lien
de cette découpe, enfin de ce dies en barre d'infos. Donc voilà, c'était ma petite carte du jour. J'espère que ça vous aura plu. Ben, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas. Hein, comme d'habitude, j'y répondrai avec grand plaisir. Et on se retrouve rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures. À très bientôt. Et puis, des petits pouces bleus comme ça. Plein, 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 plein. Allez, gros bisous à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous, bisous.